Bonjour, je suis Romain, le skipper du trimaran Use It Again, le trimaran de l'économie circulaire. Je vous invite à bord pour une petite visite. Allez, on y va. Donc on utilise beaucoup d'éléments existants, bien sûr, pour éviter de produire neuf, de consommer neuf. Alors je vais vous donner quelques exemples à bord. Il y a par exemple les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils sont reconditionnés. Je demande à mon prestataire Solbian, fournisseur, donc des panneaux reconditionnés, donc existants. Et en plus, ils ont la particularité d'être posés sur une toile qui est comme du tissu d'airbag, vous voyez. Et en fait, le fabricant de tissu d'airbag avait du tissu déclassé qu'il n'utilisait plus. Et là, on a trouvé une autre destination, une autre utilisation pour ce tissu. Donc c'est un tissu qui est hyper résistant. Ça fait 3 ans que le tissu est à bord, que j'ai fait le tour du monde à l'envers avec. Donc c'est vraiment un super exemple de réemploi et d'une utilisation, une nouvelle utilisation pour ce tissu qui n'en avait plus. Après, il y a d'autres exemples à bord. Les sacs à voile, ce sac rouge que vous voyez, il a un peu de couleur différente parce qu'il vient d'être réparé encore. Il date de l'époque d'Hélène MacArthur, puisque c'était son bateau à l'origine. Et donc ce sac-là, qui était parfaitement fait, il était quand même assez usé. Beaucoup l'auraient jeté et changé. Et moi, j'ai préféré le rapiécer, comme on dit, le réparer au fur et à mesure. Et donc là, il est paré à faire la route du Rhum. Et donc après, il y a d'autres éléments qui sont plus intéressants encore. Ce sont les câbles qui tiennent le mât. Je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Ces câbles qui tiennent le mât, voilà, sont faits. Mes anciens câbles étaient faits en PBO. C'est une matière assez particulière, issue de la pétrochimie, pas vraiment recyclable dans l'absolu, en tout cas pas de biodégradable, plutôt dégradable, mais recyclable, oui. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une fibre qui a pu être donnée à un industriel qui est aux Pays-Bas et qui recycle complètement la fibre. Donc voilà, donc on lui a donné, ça c'est simplement une gaine que vous voyez, il y a de la fibre à l'intérieur, on lui a donné cette fibre qui est totalement recyclée et recyclée en gants résistants aux hautes températures. C'est par exemple les maniques, vous savez, les gants que vous utilisez pour sortir les plats du four. Et ben voilà, un peu jaune, vous voyez cette couleur-là. Et ben c'est cette fibre-là. Donc ça c'est un exemple très intéressant parce que là on est dans la pure économie circulaire où mon déchet, puisque j'en avais plus besoin, devient une ressource pour cet industriel. Donc ça c'est vraiment une très belle chose. Et donc sur l'ensemble du bateau, on essaie de fonctionner comme ça. Il y a devant moi le taux de grand voile, vous voyez, le taux il est un peu en deux parties. Et bien il y avait une partie neuve là parce que j'ai récupéré ce taux qui dormait dans un container d'une autre équipe pendant longtemps et je l'ai agrandi pour l'adapter au bateau. Vous voyez, on essaye de trouver toujours des ressources existantes dans des équipes, voilà, des types n'auraient plus l'utilité et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et pour montrer qu'on peut s'engager, on peut trouver des solutions avec de l'existant et ça c'est vraiment très important. Donc après il y a beaucoup de choses à bord mais il y a certaines choses évidemment je ne peux pas trouver de l'existant, soit parce que ça n'existe pas, soit pour des raisons de sécurité. Voilà un petit peu pour cette visite extérieure du trimaran. Pour continuer la visite. Alors à l'intérieur du bateau, nous avons essayé également de travailler le plus possible le réemploi, de rester dans cet objectif d'économie circulaire. Donc d'abord, nous utilisons beaucoup d'existants, de matériel que nous avions avec le bateau, qu'on a renettoyé, réhabilité, réparé. C'est le cas par exemple de ces pochettes. Ces pochettes datent d'Hélène MacArthur. Voilà, elle les avait faites faire, elles sont un petit peu usées, mais on les a bien nettoyées et franchement, elles tiennent bien. Et il y a d'autres pochettes qui viennent d'autres bateaux. Et puis la bannette ici sur laquelle je dors quand je suis en solitaire, c'est la bannette d'origine, voilà, c'est encore dessous, on a une unité de protection, mais dessous c'est le même tissu, voilà, le tissu bleu en dessous, c'est exactement la même chose, donc c'est chouette de voir que quand le matériau tient bien, voilà, il peut durer, il peut être vraiment, c'est vraiment quelque chose de durable, donc ça c'est une bonne chose. Sur la table à carte, on a essayé, c'est très difficile hein, d'être sur du matériel reconditionné, bien sûr, parce que c'est beaucoup de câblage électrique, etc., donc ça on a dû les changer pour du neuf, forcément, mais par exemple, l'écran, l'ordinateur, c'est un ordinateur reconditionné. Je vais vous montrer devant si vous voulez, c'est la cabine le compartiment de repos quand on est deux. Donc ici, voilà, quand on navigue en double, ce qui était le cas pour une grande partie du tour du monde à l'envers, et ben on a installé cette bannette. Donc cette bannette, elle est faite à partir l'armature à partir de mâts de planche à voile qui ont cassé. Donc si vous regardez là, voilà, ça vous voyez que ça a été enlevé. Ça c'est des mâts de planche à voile en fait. Donc elle est très robuste et le tissu, c'est le même qui soutient sur lequel sont posés les panneaux solaires. Et ce tissu, c'est du tissu d'airbag, voilà, qui a été déclassé après la production parce qu'il y avait un mini défaut. Mais pour l'utilisation qu'on en fait, c'est parfait. Donc on trouve une nouvelle utilisation et ça c'est vraiment génial. Pareil pour les pochettes, elles servent
les plus intimes, on les a récupérés. Voilà, donc c'est une grande partie de ce matériel ici. Là où on trouve le dessalinisateur qui est là, sous cette caisse. Et pareil, c'est du matériel reconditionné. Donc à chaque fois, on a demandé à nos prestataires, à nos fournisseurs, un appareil qui était reconditionné, qu'ils avaient en retour et qu'ils pouvaient réparer pour éviter encore de produire un nouvel appareil neuf.